on se retrouve pour faire un gâteau aux pommes. Pour ça, on a besoin de 200 g de farine, de 100 g de sucre, de 100 g de beurre, de 2 pommes, de 15 cl de lait, de levure chimique et de 2 œufs. Pour commencer, très simple, on met notre sucre. Ensuite, on ajoute le beurre fondu. Et on mélange le tout. En attendant, je n'ai pas oublié de mettre mon four à chauffer à 180 degrés. J'ajoute la farine. Puis la levure. Je mélange bien. J'ajoute un premier œuf. Puis un deuxième. Maintenant, je viens ajouter progressivement mon lait. On mélange bien le tout. La préparation est prête, il ne reste plus qu'à ajouter les 2 pommes coupées en dés. Une fois les pommes bien enrobées dans la pâte, je viens les mettre dans un moule. Donc soit vous faites comme moi, vous mettez du papier sulfurisé, soit vous beurrez et farinez bien votre moule. Et voilà, c'est prêt, il ne reste plus qu'à le mettre au four pour à peu près 20-25 minutes. Et voici, cette vidéo est terminée, j'espère que cette recette vous aura plu. Je vous souhaite de bien vous régaler, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye !